Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Fortnite. Alors aujourd'hui est un grand jeu les amis parce que le nouveau mode de jeu vient tout juste d'arriver. Tout le monde est hype pour ça. Lego Fortnite, regardez ça, il y a 1.3 million de bonhommes qui jouent à ce jeu. Donc on se transforme en Lego Boy, n'est-ce pas magnifique man? J'espère que vous êtes super méga ultra hype pour ce mode de jeu parce que personnellement je le suis. J'adore les Lego, j'adore Fortnite, ça va super bien ensemble. En tout cas, première chose à faire, aller dans le casier et choisir un skin Lego parce que j'en ai tellement. Il faut posséder la version originale du skin sur Fortnite Battle Royale et on va débloquer les skins Lego automatiquement. Et puis il y en a une tonne, ça s'applique pas pour tous les skins. Et là regardez ça, j'ai beau à défiler, ça s'arrête ici. J'allais dire ça s'arrête jamais là, mais bon. Bon, il n'y a pas la version Lego de tous les skins malheureusement, mais je comprends, ça prend beaucoup de temps pour faire ça. Ils ont mis combien d'argent là-dessus, ils ont travaillé combien de temps sur ces affaires là. Regardez ça, ils sont tellement cute, j'adore ça, incroyable. Oh 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 oh. Non mais pour vrai, quand j'ai lancé le monde, on dirait que je lançais un monde Minecraft. C'est fou. Parler à Terreur Fluo. Ah, ok, tu parles pas. Ah, où suis-je? Qui êtes-vous? Et moi, qui suis-je? What the hell? Non, attendez, la dernière, je sais, je m'appelle Terreur Fluo. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et vous, vous êtes pas vrai pour le bien. Je sais pas pourquoi, mais ça me dit quelque chose. Je fais des vidéos sur YouTube, les amis. Je n'avais encore jamais atterri dans un endroit aussi étrange. Mais au moins, je suis avec vous. C'est déjà ça. Les environs pourraient être dangereux. On devrait se préparer au cas où. Elle est le vieux monsieur dans Legend of Zelda ou quoi? Elle va me donner une épée? Donc, préparé? On dirait qu'il y a beaucoup de bois et de granit par ici. Je me demande ce qu'on pourrait construire avec ça. Oh! Lego Fortnite! Attends, est-ce que je peux sortir la map? Oh my god, ok, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mon inventaire se retrouve ici. Les joueurs, ah ok, ça c'est moi. Je me demande si on peut jouer avec d'autres personnes. Je peux inviter des joueurs, mais est-ce que il y a comme des mondes publics? J'ai vraiment aucune idée. Donc, si je te reparle, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Au revoir. On dirait qu'il y a beaucoup de bois et de granit par ici. Ah, ok. Il faut que j'en aille chercher. Donc, construction, aucun schéma appris. Trouver des ressources pour débrouiller des schémas. Oh, ok. Ah, je dois pointer le bois, c'est ça? C'est pas avec ça, ça va marcher, hein, je crois. Ah, récupérer des petits bouts de bois. Donc, schéma de construction, feu de camp. Ah, il m'en faut 3. D'accord. Donc, si j'appuie sur Tab, je peux voir mon inventaire. J'ai un bout de bois. Wow. Attends, récupérer framboise. Parce que c'est vrai, il y a la faim. Regardez moi à gauche, j'ai une petite faim, voyons donc. Mon petit poicail de Noël, là, il veut manger, brother. Donc, si je mange un framboise, ça fait quoi? Oh! Yo! Ce mode de jeu est super méga ultra développé. Je m'attendais tellement pas à ça. Hier? Je peux sûrement faire de quoi avec ça dans les chemins de construction. Mais bon, on va accumuler des trucs, les potos. Maman, j'ai récupéré beaucoup de bouts de bois. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Bonne journée. Ce casse-croûte avait l'air appétissant, mais il faut plus d'énergie que ça pour partir à l'aventure. Si je savais cuisiner, je le ferais. J'aurais dû suivre les cours de cuisine de Boss Burger quand j'en avais l'occasion. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Un feu de camp nous tiendrait chaud et nous protégerait. Ok, je m'en charge. Donc, feu de camp, n'est-ce pas? Donc, j'ouvre ceci, feu de camp, et je le place ici. Oh, donc... est-ce que t'es contente? Yeah, vous avez vu, Erika? Yeah! Alors, tu te réchauffes, ma belle? Donc, votre feu de camp nous tiendra chaud si la température chute. Oh, wow, regarde ce que t'as fait. Si on se perd pendant nos aventures, on n'aura qu'à chercher la fumée pour retourner au camp. La pluie m'inquiète, il nous faudrait peut-être un refuge. Vous pouvez construire un cabanon simple depuis le menu construction dans la catégorie construction. Ok, je m'en charge, donc... Ah, il me faut de la granite, mais pour aller chercher de la granite, je sais pas où aller faire ça, parce que là, attendez, est-ce que je peux construire une épée ou quelque chose? Mais bon, on va aller en chercher, on n'a pas le temps des événements. Oh, les poteaux! Regardez ce que j'ai trouvé! Une vache caressée! Oh, what? Je te caresse et puis... oh, tu me donnes du lait? What? Ok, j'ai pas besoin de jouer avec toi pour avoir du lait, juste te caresser ces tigidou. Et toi, tu vas me donner du chicken wings? Un œuf. J'ai l'impression de jouer à Minecraft, mais version Lego sur Fortnite. C'est quoi ce combo? C'est totalement incroyable. Attendez, lui là, il me semble que je l'ai pas caressé. Est-ce que je peux le tuer dans le futur? Tu m'as donné quelque chose, bro? J'ai vraiment envie de savoir si je peux les détruire dans le futur. Ok, il
veulent rien me donner, je pense. Récupérer citrouille. Parce que, hé, ça donne de la lière directe. Oh, wow! Ok. D'accord, moi, je ne dis pas non à ça. Et là, où est la fumée? Ah, juste là, comment vas-tu? Et puis, tout à l'heure, je me suis trompé. C'est pas ça que je vais faire. C'est pas un établi. C'est cabanon simple. Et là, il me faut encore plus de bois. Attends, coût de départ et coût total? C'est quoi ce coût de départ? Hein? Ok, peut-être que tu vas juste construire ça un tout petit peu. Je comprends pas. Non, on va mettre ça là. Commencer la construction. Hein? Attends, composante restant? Attends, arrêtez de construire. Attends, si je fais ça. Ah! Faut que je les place moi-même! Ok. Donc, le sol est terminé. Changer de composante. Ok, qu'est-ce qui se passe? Attendez, on va faire pilier. Ah, d'accord. Faut que je construis moi-même comme ça. Je comprends comment ça marche. Et là, je comprends pourquoi j'ai pas assez de ressources. Ok. Donc, je peux construire la base. Et ensuite, oh, récupérer granit. Et ensuite, je peux continuer la construction. Comprendo, amigo. Donc, voilà. Étape 2 sur 3 terminée. Maintenant, étape 3 sur 3, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Changer de composante. Attends. C'est quoi ça? Faitière de cabanon? The hell? Je sais même pas c'est quoi cette affaire-là, pour être honnête avec vous, je sais... Ah! Même pas où mettre ça. Est-ce que je peux faire une rotation? Donc, attendez. Mode de fixation. Oh! Si j'appuie sur le clic droit, je peux faire ça! Au lieu de bouger comme... Ah, non, what? Ok, je vois une petite différence quand je maintiens le clic droit, je comprends. Donc, pivoter. Ah! Et puis, attends, déplacer. Oh, je peux le déplacer comme ça. Ok. Je comprends comment ça marche le jeu maintenant. On peut faire des constructions rapides après ça maintenant, je pense. Donc, cabanon simple, terminé. Là, je parle à toi. C'est un plaisir de vous voir. Je parie que vous êtes en train de vivre une aventure super excitante à travailler tout seul pendant que tu glandes. Cet abri nous protégera des intempéries et des ennemis. J'en ai marre de récupérer des pierres et des bâtons à la main. Si on avait un établi, on pourrait fabriquer des outils. Je m'en charge. Donc, établi, totem. Créer un village dans la zone alentour avec un totem. Et là, ici, fabriquer des outils, des armes, de l'équipement de survie et des accessoires simples améliorés. Donc, il me faut du bois et granit. Pas le temps niaiser. Et oh! Vous avez faim! Mais j'ai de la bouffe ici! Donc, on va commencer à consommer de la citrouille. Et là, attends, ça marche pas? Ah, c'est parce que j'ai bougé, je pense. Ok, d'accord. Là, je vais consommer l'œuf cru. Je vais boire un peu de lait. Là, ça, c'est un dîner complet, les amis. On peut pas dire non à ça. Donc, on va manger encore un peu. Et là, je crois que c'est Tidou. On va aller chercher des ingrédients. Yo, les potos, regardez mon écran. C'est un petit peu bleu partout. C'est parce que j'ai froid. Regardez en haut à gauche, la petite barre là. Il y a une petite flèche qui dit que j'ai froid. Maintenant, j'ai chaud parce que je suis à côté du feu. Il y a beaucoup plus d'éléments de survie que sur Minecraft, on dirait bien. Bah, je dis ça comme ça, là. Je viens de commencer le jeu, là. Mais bon. Donc, placement impossible. L'établi, on va mettre ça là. Ah, ok. Voir l'établi m'a donné des idées pour des inventions. Genre, des outils. Vous pensez qu'on est les seules personnes à être arrivées ici en traversant une faille? Peut-être qu'on devrait construire un totem pour attirer des amis présents dans les environs. Ah, ok, d'accord. Donc, si je fais ça comme ça, j'ai seulement 5 constructions. Bon, ok, j'ai plus de constructions, mais on va dire 5 constructions ici. Mais si j'utilise l'établi, est-ce que j'en ai plus? L'utilisation est possible sur la pluie. Faut que j'aille dodo, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, donnez-moi une seconde. Récent. Ok, les meubles. Le lit. Me faut du bois. Alors, attends, ça c'est quoi? Composant de construction. Si je veux construire des grosses maisons, c'est ça? Attendez. Ah, je comprends. Ok. Cabanon de fortune. Et ici, j'ai quoi? Scierie. Grill. Et là, bon, il faut beaucoup de bois, beaucoup de granit. On va aller en chercher. Ah tiens, donc, il n'y a plus de pluie. Ok, alright, ça veut dire que je peux utiliser ceci, n'est-ce pas? Donc, utiliser l'établi. Yes! Enfin, je peux utiliser ça. Je voulais le faire depuis le début. Donc, je peux avoir une torche. Je crois que c'est une bonne chose parce que je me promène partout et puis je vois quasiment rien. Donc, attends, pourquoi torche x3? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est... ça va se péter ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux même pas avoir une pioche normale et amélioration d'établi. Aïe, 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 ça a l'air que ce jeu est super méga ultra développé, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, on continue à récupérer du bois, c'est juste le début du jeu. Il en faut beaucoup pour... débloquer plus de trucs...
Hello? Où est-ce que tu m'amènes? Oh, le bois! Ça, c'est important! Et oh, le bois! Mais... Non! Il y a un building là-bas! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, est-ce que je suis ce bonhomme ou je vais vers le building? Oh, vers un corps! Fouillez! Oh my god! Ok, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre ça comme ça? J'avais vu quelque chose qui s'était écrit fusionné. Ah, je sais pas pourquoi j'ai jeté ça. C'était une belle torche. Est-ce que je peux le récupérer? Attends. Oh, ok, au moins je peux le récupérer. Moi je m'en vais d'ici les potos. Regardez mes vies, j'allais me faire détruire. Il faut que je mange un peu. Oh, encore un peu. Comme ça je peux récupérer plus de vie. Et je crois que je peux manger une framboise, hein. C'est quoi? Ah! Oh non! J'avais vu un câble, les amis, dans cette belle maison! Attends, tu peux pas venir ici! Je t'ai pas invité! Fouiller! Attends, diviser, prendre? Est-ce qu'il y a moyen de tout prendre? Yes! Attends. Oh, il y avait un bouton prendre la pile, je pense! Vite, vite, vite! Attends, c'est quoi? Oh, ok! Je vais sur les items, j'appuie sur E. C'est Tigidou. Attendez, vous voulez vous battre, guys? Ok, je m'excuse. On fait la paix, les brothers. Regardez-moi ce foliage qui est en train de se faire bercer par le vent. Et regardez-moi ce paysage. Waouh. Oh là là, je suis impressionné. J'aurais jamais dû foutre mon feu de camp là-bas. Mais bon, je peux me construire... Attends. Je peux me construire une pioche pour détruire les arbres dans le futur, je pense. Un dégât. Deux dégâts. Et trois dégâts, j'ai appris à faire de la boxe quand j'étais jeune, voyons donc. Donc j'ai pogné de la soie, arigato gozaimasu. Et ici il y a une tonne de ressources. C'est sûr que je prends tout ça et ensuite... Oh! On pourrait construire des gros trucs, je pense. Voilà! Donc, ce serait nice si on pouvait jouer en public avec les autres. Je me demande si on peut le faire pour vrai. Regardez ça, le loup! Il est en train de manger la vache! Non! Je veux pas te laisser! Oh, ok, je m'excuse. Tranquille. C'est drôle de voir ce genre d'interaction, vous ne trouvez pas? Mais là, attendez. Voilà, moi je ramasse tout ce que je peux parce que j'en ai besoin dans le futur, mais... Tu vas pas aller les trucs, non? Oh non, Martinez! Aïe! Je voulais les sauver, mais j'ai rien pour les aider. Oh, je suis vraiment malheureux. Alright, les amis, je suis de retour ici, alors voyons voir si je peux construire mes petits outils que je veux. Donc, les torches, je vais pas en construire d'autres. Hache forestière ou pioche? Je vais fabriquer ces deux trucs puisque j'ai les matériaux requis. Donc, comme ça. Voilà, ok, maintenant que je les ai. Attendez, est-ce que je peux les améliorer? Attends, amélioration d'établi, ok, non, je peux pas améliorer mes affaires en tant que telles. Donc, j'ai ma pioche en bois juste là. Mais là, il faut que j'aille dans mon inventaire et que je fasse ça. Ah, je comprends comment ça marche. Et qu'il mange, je peux en avoir, d'accord. Donc, pour l'instant, ça c'est quoi? Carreau? Oh, c'est pour mon arbalète! De la terre? Ah, ok, attendez. Vous êtes en train de me dire que je peux... Non, je peux pas faire ça. Ok, on va utiliser la hache sur cet arbre. Ah, oh! Est-ce que ça va me donner beaucoup de... Ouh, ça a lagué! Et oui, ça m'a donné beaucoup de bouts de bois. Et là, je peux faire ça encore? Ok, ça prend du temps, mais j'espère que j'ai une tonne de bouts de bois. Ouais, ça m'en donne beaucoup ici. On peut le faire plusieurs fois. Ah, ça me rappelle The Forest. Alors, je peux détruire ça. Oh! Waouh! Ok, c'est intéressant ici, je fais ça. Non, c'est pas une bonne chose. Donc, ça. Ok, ça marche pas. Et ça. Voilà, il faut utiliser la pioche pour ceci, voyons donc. Alors là, je peux faire un petit peu le ménage de cet endroit. En faisant en sorte qu'il n'y ait plus de trucs bizarres autour d'ici. Et là, j'aurais dû faire en sorte qu'elle me passe en haut de la montagne. Ah, je suis débile, man. La première chose à faire, je peux construire un petit lit. Ah, je peux même le mettre dans cet abri. Comme ça. Alors, assigné au lit. Vous. Oh, mon petit poincaille. Il est tellement cute. Ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je peux construire d'autre? Parce qu'il y a une tonne de choses que je peux faire. Ah, il me faut de la planche. Pour avoir de la planche, il faut que j'améliore l'établi ou quelque chose, non? À moins que... Non, c'est pas là du tout. Et puis, ici, je peux rien faire d'autre. Ici, cabanon, pas besoin. Bon, alors là, créer un village dans la zone alentour.
Oh, on va le faire ici. Pourquoi pas? Donc, le totem, je vais le poser à côté du feu de camp. Voilà. Et oh, village de faux pour le bleu. La chose est déconne. Moi, je veux un château parce que je veux beaucoup de villageois. Et je veux du bleu parce que je m'appelle Polo Bleu. Donc, j'ai débloqué des nouveaux schémas de construction. Donc, ici, nous avons cabanon simple, cabanon double. Je veux habiter là-dedans, les amis. What the hell? Ici, je peux faire un escalier. D'accord, d'accord. J'ai débloqué tellement. Oh, ma bad. Tellement de trucs ici. Et je sais même pas quoi faire pour l'instant. Aïe. Ah ben regardez ça! Un premier villageois! Ou devrais-je dire, une première villageoise! Parlez à Tournesol! Elle a même un nom! Salut, je suis Tournesol, vous me trouverez toujours en train de prendre le soleil au milieu des champs. Yeah! Comme on dit par ici, bienvenue à vous, partenaire. Cet endroit est bien plus grand qu'une île. Je vais rester dans votre village cette nuit pour me reposer. Il faut que j'en découvre les moindres recoins. C'est déjà fait. T'as déjà tout vu. Oh boy! Alors, voilà les améliorations du village. Ce jeu est vraiment développé. Je m'attendais tellement pas à ça pour vrai. Donc, améliorer le village. Note du village? What? Ok, gestion du village. Donc, ça, j'assume que c'est moi. Je peux avoir d'autres bonhommes. C'est quoi ça? Amulette douillette, des villageois portent une amulette de vitalité. Visiteurs amicaux, des exploitants amicaux visitent le village. Là, j'ai vu ça. Croissance du village. Un villageois supplémentaire peut vivre dans ce village. Alors, au niveau 2, j'ai plus de main-d'œuvre. Au niveau 3, j'ai ça. Niveau 4, niveau 5. Je comprends. Donc, plus je l'améliore, mieux c'est. Alors, pourquoi pas tenter de l'améliorer juste pour le plaisir? Yeah! Tout le monde est content, même l'exploratrice! Donc, je suis passé au niveau 2. Alors, main-d'œuvre, vous pouvez demander aux villageois de récupérer des ressources à proximité, de tailler du bois ou de casser des pierres. Je peux les exploiter? Est-ce que je construis une maison ici? Comment ça, la construction? Donc, il me faut ceci. Ok. Étape 1 sur 9 terminée. Il me faut vraiment beaucoup de choses. Complète de amigo. Vous avez faim? Ah, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas mangé, hein. Yo, j'espère que tu veux pas manger de ces trucs, j'espère que t'aimes pas trop ça, parce que j'en ai pas assez pour partager, j'en ai que 20, voyons donc. Alors là, donnez-moi une seconde, j'ai vu essayer de faire quelque chose. Parler à Tournesol. Donc, j'ai l'impression d'être un véritable alpiniste dans ces montagnes enneigées. Donc, je viens discuter, venez vivre dans mon village. Ce serait chouette de pouvoir s'installer dans un nouvel endroit. Mais votre village ne compte pas mes attentes. Quoi? J'aimerais bien dormir dans votre village, mais il n'y a aucun lit pour moi. Ah, fallait le dire si tu veux, là. On peut dormir l'un à côté de l'autre, alors. Donnez-moi une seconde. Est-ce que je peux récupérer mes affaires? Oh, ok, c'est comme ça que ça marche. D'accord, j'ai pas une grosse maison. Je suis vraiment désolé, mais si tu veux... attendez, rotation. Comment on fait des rotations encore? Ah, voilà. Un lit pour moi ici. Et... j'ai pas assez de bois. C'est quoi? Attends un petit peu, mon ami. J'ai tout ce qu'il faut pour construire un lit pour toi, ma belle. Donc, donnez-moi une seconde. Ici. Regarde ça. Comme ça. Alors, assignez-lit à vous. Attendez, c'est pas le moment de faire de l'eau. Assignez-lit. Ok, maintenant, je peux parler à toi, hein, c'est ça? Donc, continuez, ok. Venez vivre dans mon village. Ce serait chouette. Vous savez si je peux dormir quelque part? Oui! Je vais aller rejoindre mon nouveau lit. Faites comme chez vous. C'est pas grand chose, mais au moins, au début, on commence petit. Plus tard, là, ça va être crazy. Alors, lit Tournesol. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Je peux pas jouer sur ton lit. Elle a pas de lit. Parce qu'elle est totalement inutile. Alors, j'ai envie de voir quelque chose. Si je fais dodo, est-ce que ça va être le matin? Je sais même pas pourquoi je fais dodo, alors. Est-ce que ça fait en sorte que je récupère des vies? Que j'ai moins faim? C'est pas possible, là, mais... Ok, on fait juste un dodo simulator. Ok, j'ai compris. Donc, laisse-moi voir si je peux t'exploiter un peu. Merci pour votre invitation dans ce village. J'aimerais vous rendre service. Alors, si vous avez du travail à me donner des idées, bah yes! Donc, parlons de travail. Explorons, aider le village. Attends, explorons? Qu'est-ce qui se passe? Vos aventures seront plus brillantes si je suis dans les parages. Alors, tu vas me suivre? Elle a une épée avec elle! Oh! Ok! Yo, elle pourrait détruire les petits loups, hein, quand j'y pense! Alors, qu'est-ce qui se passe si je tape ceci? Est-ce qu'elle va m'aider à prendre le bois? Travaille pas fort, toi, hein? Bonne journée! Il n'y a rien de mieux que de gambader dans les plaines. Alors, oh! Attendez, c'est quoi ça?
Congédier l'acolyte? Ben non. Attends, prenez ça. Oh non, je n'ai rien pour vous. Votre amitié m'est précieuse. Offrir hache forestière. On peut donner des trucs comme ça? Donc, si je t'offre une torche? Les amis, I like this game. Hold up les potos, regardez ça. Si je tape ceci, elle aussi, elle va le faire. Je fais une fois, elle le fait une fois. Oh my god. Alors, si je te donne une hache, on peut taper ça plus rapidement. Ah, quoi? Attends, t'as dit t'as besoin d'une hache, c'est ça? Ah, ok, ok, j'ai compris, j'ai compris. Ok, j'adore tellement ce jeu. Alors, ce que je vais faire, essayer de construire des haches. Ben, construire des haches. Ouais, ouais, littéralement construire des haches, les fabriquer, whatever. Donc, ici, je vais lui en donner un. Une hache. Oh, je sais même plus parler, les amis. Mais la mienne, là, est presque détruite, hein. Alors, je vais te donner... Attendez, si j'y prends hache forestière, c'est lequel? Le premier, hein? Celui qui est presque pété. Nice! Celle qui est presque pétée. J'arrête pas de me tromper entre le masculin et le féminin. Regardez en bas à droite de l'écran, les amis. J'ai pété ma hache à 60%. Et le truc, c'est qu'elle, elle a encore la hache que je lui ai donnée, qui était pétée à 90%. Donc, je peux lui donner quelque chose qui est bientôt détruite. Elle pourra l'utiliser à l'infini, si je comprends bien. Regardez ça! La mienne est bientôt pétée. J'ai donné quelques coups, ça devrait se faire carbone dans quelques instants. Et elle, elle a encore sa propre hache. I cannot believe this. Alors, cela veut dire que la pioche qu'elle a, elle pourrait l'utiliser à l'infini comme ça. Est-ce qu'elle peut switcher? Elle peut switcher! Ok, alors je peux lui donner une tonne d'items et elle va les utiliser lorsqu'on en a besoin. Oh, ben c'est génial cette affaire-là! I like this! On va faire un petit test, les amis. Donc, parler à Tournesol. Continuer, ok. Donc, congédier l'acolyte. C'est ici que notre aventure s'arrête. Si c'est ce que vous voulez, je retourne au village de Faux-Pôle-Bleu 1. Congédier l'acolyte. Donc, elle est revenue au village. Mais cette fois-ci, ce que je vais dire. Parlons au travail, aider le village, gestion des ressources. Donc, tailler du bois, récupérer des ressources à proximité, autre chose. Attends, oh non, tailler du bois. Ça marche, je vais tailler quelques arbres. Il me faut d'abord une scierie pour couper du bois. Il me faudra tailler du bois pendant un jour avant d'avoir quoi que ce soit à partager. Elle s'en va vraiment travailler, cela veut dire que si j'ai une tonne de villageois, je peux les envoyer partout, péter des arbres. Oh my god, ça va être génial! Depuis tout à l'heure, tout ce qu'elle fait, c'est glander par-ci par-là. Mais c'est sûrement parce que j'ai pas la scierie. Mais maintenant, on peut faire ça comme ça! Ah, ah, ah! Donc, utiliser scierie pour faire des planches et des tiges de bois. Oh, enfin! Donc, ça prend seulement un bout de bois pour faire une planche? Really? Ok, attendez. Assigner un schéma. Ressources manquantes? Dépôt rapide? Ah, ok, c'est comme les fours dans Minecraft. Tu mets des trucs et puis ça va se faire tout seul. Ok, ok, je comprends. Donc, ah ben voilà, elle travaille. Ok, ok, ok. Pourquoi je veux des planches? Pour pouvoir améliorer cet établi. Mais comment je prends des carapaces? Un matériau de fabrication que les carapateurs laissent derrière eux. Ok, il faut que je détruise du monde. Et là, je peux avoir une pelle, planche, tige de bois. Ok, laissez-moi voir quelque chose. Est-ce que je peux faire ça, comme ça? Ah, il faut changer le schéma. Ok, je peux pas faire ça en même temps. Peut-être qu'avoir deux scieries, c'est une bonne chose, mais c'est correct pour l'instant. Alors là, commencer la construction. On va voir si je peux faire ça. L'autre truc, c'est ici. Voilà. La maison est terminée. Cabanon en rondelle. Naizou, naizou. Je sais pas qui va habiter là, mais c'est un villageois qui vient, il pourra habiter là. Regardez, il y a une belle maison. Je vais même mettre un petit lit ici. Donnez-moi une seconde. Ça va attendre plus tard pour le lit. Donc, je prends ceci, tige de bois, arigato gozaimasu. Alors là, on a quand même progressé beaucoup. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre une petite pause. Et on continue ça la prochaine fois. Et attendez, attendez une seconde. Regarde ça, j'ai un nouveau villageois. Parlez à Miaskuré. Ah, ouais, moi c'est Miaskuré. Vous avez sûrement déjà entendu parler de moi. Donc je vais éviter de trop vous montrer mes muscles. Quel plaisir de faire votre connaissance. J'explore depuis de longues heures. Je pense dormir dans votre village cette nuit. Ah ben, bien sûr, t'es la bienvenue, mon frère. Donc, venez vivre dans mon village. Ce serait... Ah, il me faut un lit. C'est ça? Ah, ok, ok, ok. Je vais aller chercher un lit pour toi, ne t'en fais pas. Amazon a livré ton lit, mon petit chat. Alors, donnez-moi une seconde. Aïe, 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 c'est pas un petit peu crampé là-dedans? Ça devrait être doux. Alors... Mon petit chat. Oh, je croyais que t'étais parti en vacances, man. J'avais tellement peur. Yo, je voulais qu'on se laisse tout à l'heure. Mais ce jeu est trop le fun. Donc, attends. Quoi? J'aimerais bien m'installer quelque part, mais votre village semble plein à craquer. Si vous améliorez le niveau de votre village,
C'était pas un lit que t'avais besoin? Ok, bon, ben, on va améliorer ce village, alors. Oh, il me faut de la granite. Ok, ok. On va se laisser après avoir cherché ça, les amis. Alright, j'ai toute la granite que j'ai besoin et j'ai farmé comme un fou. Alors, si je peux pas améliorer ça, là, je saute par la fenêtre. Let's go! On a passé au niveau 3, tout le monde ici par contre, youhou! Donc, maintenant là, tu ne peux plus te plaindre, mon frère. Venez vivre dans mon village. Ah, regardez, elle est super contente, oui. Un endroit rien qu'à moi, ce serait chouette. Vous savez si je peux dormir quelque part? Bien sûr! Un vrai lit rien que pour moi. J'ai hâte de m'endormir. Et en plus, t'as la maison de luxe là. Moi là, regardez où j'habite. Hein. En plus, c'est moi le boss de cet endroit. Toi là, t'as ceci. Tu peux pas dire non à ça, mon frère. En plus, c'est gratos. Alors, mon village s'agrandit, les amis. Je sens un gros progrès. Et là, on se laisse ici pour vrai. On continue ça la prochaine fois. Attendez, attendez, avant de se laisser, on va faire quelque chose d'intéressant. Se construire une épée courte et on va partir à l'aventure détruire les loups qui ont essayé de me détruire. Alors là, je voudrais bien me confectionner un shield, mais il me faut des planches et de la corde. Mais pour avoir de la corde, selon moi, il faut le rouet. Parce que, attendez, c'est vrai, je peux pas le faire. C'est écrit, filer des objets comme du fil et des cordes afin de les utiliser dans la fabrication. Mais il me faut des griffes de loup. Alors, pas de bouclier pour l'instant, malheureusement. Mais j'ai mon épée. On va aller détruire les loups, oui. Je m'appelle Link, je n'ai pas peur de toi, mon petit Martinez. Watch out. What? Oh my god. Pépito, reviens ici. Puisque t'as pas ton pépito, là, c'est... Ouh, c'est la fin pour toi. Alors, qu'est-ce que je vais pogner? Griffe de loup et de la viande. Ah, attendez, j'en ai pogné 4 seulement, hein. Ok. Je vais te sauver, petit chicken wings! Et là, oh, j'ai vu un inventaire. Ben, comme un item là-bas. Wow. Oh, 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 je t'ai sauvé. Pour que je puisse te manger maintenant! Oh mon dieu, ce jeu est tellement le fun! J'ai pogné de la pluie, ok. C'est bon. Donc, j'ai enfin détruit les loups et là, il pleut. Aïe, aïe, aïe. Ok, là, pour vrai, on va se laisser et on continue ça la prochaine fois. Alors, mes chers amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois, c'est-à-dire demain ou après-demain, je suis pas sûr. Ça dépend de si je veux jouer à Blocks Foot ou à Lego Fortnite. Mais le Go Fortnite, là, oh my god, c'est tellement le fun, les amis. Oh, aïe, 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 je sais pas quoi faire. Alors, dites-moi, les amis, que voulez-vous que je joue? Blocks Foot ou Lego Fortnite? J'ai envie de lire vos commentaires. Et dites-moi, est-ce que vous trouvez que Lego Fortnite c'est amusant? Parce que personnellement, moi je suis en train de me marrer comme un fou. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui est pas devant le ciel. Me suivre sur les réseaux sociaux, bla bla. Thank you very much for the support, amigo. Et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!